Hey, salut à tous, c'est Skyros, comment ça va? Bienvenue aujourd'hui les amis, de retour à la maison, de retour sur Black Ops 2. Aïe 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 aïe, que ça fait plaisir, rien que cette petite musique là, ça t'imprègne comme ça. Attends, je me suis réveillé, j'ai dit hey, j'ai envie de jouer à Call of Duty, j'ai envie de jouer à un vrai Call of Duty, un bon Call of Duty. Et je me suis dit pourquoi pas retour sur Black Ops 2, et je suis sûr que ça vous fera plaisir. Et si c'est le cas, bah, n'hésitez pas dès maintenant à mettre un maximum de pouces bleus, de likes, c'est plaisir, c'est la récompense. Et je sais également que je vous ai promis une petite rétrospective sur tous les Call of Duty, alors je dirais pas une semaine old school, puisqu'il y a plus de Call of Duty pour faire une semaine. Ça va arriver très prochainement, ne vous inquiétez pas. Exceptionnellement, regardez les amis, nous sommes là sur PlayStation 3. Donc là, sur ce compte-là, j'avais pas débloqué le balista jusqu'à maintenant, donc je peux le faire. Donc automatiquement, j'ai aucun accessoire. Et bah justement, on va aller débloquer quelques accessoires du balista. Aucun camouflage non plus. Mais la classe, elle est là. Normalement, je crois que je mettais Fast End, etc. Est-ce que j'ai l'insertion tactique ou pas? Tactical Insertion niveau 47. On va aller la débloquer. J'aime bien cette petite sensation, tu sais, quand t'arrives sur un jeu. C'est vrai que quand t'arrives au niveau 1 d'un Call of Duty, c'est toujours cette petite sensation tellement kiffante de débloquer chaque arme, de débloquer chaque accessoire. Et c'est quelque chose qui vraiment, j'ai l'impression, s'est perdu au fil des années, où t'as tellement de trucs, tellement t'étais comme ça. Et même le menu, regarde, le menu de Black Ops 2, il est parfait. Tu rentres là dans la création des classes, à chaque petite icône, etc. C'est super simple. Quand tu regardes le menu de Black Ops 4, il est dégueulasse, il est horrible. J'ai jamais compris pourquoi ils ont fait un menu déjà horizontal, alors qu'un menu sur Call of Duty c'est vertical et horizontal, ça fait pas. Ouais, t'es sur BO2, tu vois la map raid, t'es obligé d'avoir le sourire, t'es obligé d'avoir le smile. C'est des souvenirs qui reviennent, c'est le moment nostalgie, c'est tellement de bonnes choses que ça te rappelle, c'est vraiment un truc de ouf. Et surtout, bah, de mon côté, bah, c'est là où il y a eu quand même quelques petits clips anthologiques. Souvenez-vous, deux épisodes d'Headshot Biatch avec Saxy, un d'un côté où il y a eu les triple headshots, un de l'autre côté où il y a eu une quoi d'une balle. C'était putain, c'était bon. Et t'es obligé d'avoir le sourire quand tu vois la map raid. T'es avec le balista, t'es obligé. Ah, te mets pas devant moi toi. Alors par contre je suis désolé, le shoot était quand même dégueulasse. Là le shoot était pas pardonnable. Oh dommage. Oh tu sens que c'est difficile la reprise. Tu sens que c'est compliqué, que c'est laborieux. C'est coincé encore. T'as l'impression que c'est... Vraiment, la définition de rouillé, elle est parfaite. Tu sens bien que c'est un peu rouillé le tout. Oh la falle. Attends. Allez, le spawn. Oh, celle-là, je m'en souviens aussi. Y'a personne ici ou quoi? Ah non, ça arrive derrière. Oh, le C4! Il s'emmerde pas, l'enfoiré! Ah, de retour sur VO2, c'est bon, mon pote. MSMC! MSMC, tu t'en souviens? Pas maintenant! Pas maintenant! Mais c'est tellement de souvenirs, chaque arme que tu vois à terre, c'est grave. Ah oui! Oh, la scarage, la MSMC du bomb! J'ai l'impression que ça va être un petit peu plus compliqué que ce que je pensais que ça allait être compliqué. Oh, le jump shot! Voilà, impeccable! Merde. C'est pas grave, juste le petit jump shot, il fait plaisir. C'est comme hop! Et t'imagines, on met un petit clip là de retour sur BO2. Petite quad feed headshot! Triple une balle! Oh là là, c'est possible! Tout est possible sur BO2, c'est pour ça qu'on kiffe le jeu. Mais non! Mais non! Mais non! Mais non! Ah! Ah! Oh mon dieu! Je crois que j'ai fait single, collade single, mais il y a eu un hitmarker, il y a eu un truc. J'étais trop long! Mec, j'avais la quad feed justement, c'est ce que je t'ai dit, tout est possible sur ce jeu! Oh dommage! Et le noscope passé, j'avais la quad feed. Non mais arrête, t'es pas sérieux! Voilà, le spawn peut tourner. Oh là 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 là, ça commence à revenir là. Tu sens à l'intérieur, ça commence à revenir, c'est bon. Ouh, ça commence à revenir et ça fait du bien. Bon, ça commence, j'ai dit. J'ai pas dit que c'était là encore. J'ai dit que ça commençait. Petit. Check and clear. Oh, le monde qui avait sa mère, pourquoi je suis plus putain, mais non, mais le monde qui avait, ça rappelle des souvenirs, mec, tu sais, les spawns, ça commence à revenir. Ah, tu te souviens, les moments où ça s'alignait un petit peu, les sensations fortes que t'avais à l'époque sur le jeu, c'est ça qui est bon, c'est ça qu'on est venu chercher, mon pote, c'est ça qu'on est venu chercher. Oh, on a perdu de peu, merde, oh, c'était bon, tu perds, mais tu kiffes, c'est à ça que tu reconnais à mon Call of, mon pote, même si tu perds, même si tu t'es fait éclater, si t'as kiffé, c'est que c'est bon. Nukton, Hijacked, Standoff,
Même Slums, tu vois, mais là, bon, bah, c'est trop tard. Mais rien que ces trois maps-là, tu dis, putain, c'était bonne les maps sur Black Ops 2. Et même la pire map de Black Ops 2, c'est la meilleure map de Black Ops 4. J'ai pas peur de le dire. Et je l'avais dit l'autre fois, je disais, c'est vrai que le problème sur BO4, c'est pas que le jeu, il est mauvais. Le jeu, il est bon. C'est que les maps, elles sont pas bonnes. Les maps, elles te font pas kiffer du tout. C'est ça le problème sur le jeu. Et quand tu regardes les maps des DLC, commence pas. Yes! Hijack, mon pote, hijack, dans cette petite map, le massacre va commencer. En tout cas, on espère. Ça fait du bien, ce petit retour sur BO2, ça fait vraiment du bien. J'avais envie de refaire un petit Call of Duty, et Black Ops 2, je pense que c'est vraiment le Call of Duty parfait. Oh, yes, le spawn. C'est qui là? Kill confirmed. Mais non! Putain, franchement, je sens que dans la gamme, il y a moyen de faire un truc, là. Il faut se concentrer. Ouh, Ravière, la triple fuite de Ravière. Et l'autre qui se barre, il a pris plein le cul, il dit « Non, ça déborde, arrête !» Pardon, excusez-moi. Je vais devoir encore péguer 18, moi, là-dessus. On va m'expliquer où est-ce qu'elle est partie, la balle, tout à l'heure. Me dis pas qu'il y a un mec qui campe là-dedans, si. Allez! Oh là là, c'est bon, mec! Franchement, y'a pas de feed, y'a rien! Oh là là, c'est bon! Oh là là, dommage. Oh, c'était bon ce petit moment sur Ajax. C'était bon, ça rappelle des petits souvenirs. Les mécanismes commencent à revenir progressivement. Les réflexes, les petits déplacements, les petits enchaînements, ça commence un petit peu à ressembler à des quickscopes. Ça fait du bien. On va pas se quitter sur BO2 sans faire un petit Nuketown quand même. C'est parti, Nuketown Ballista BO2. Tu sais que ça va être du bon, tu sais que ça va péter dans tous les sens et tu sais qu'il y a moyen de faire quelque chose de lourd. On va essayer en tout cas. What? What in the hell is that? Sérieusement? Wouah! Attends, y'a moyen de faire un truc, mais j'ai l'impression que mes balles elles sont en caoutchouc, elles passent pas. Allez, spawn! Enchaînement, mon pote, il était là! J'ai fait quoi là en fait? Je sais même pas ce que j'ai fait, mais j'ai fait un truc. J'ai fait des kills. Oh, j'ai la quad speed! J'ai la médaille quad speed! Yes! J'ai la médaille quad speed! C'est pas grand chose, mais voilà, petite quad speed sur Nuketown. Au spawn, voilà, bon bah ça c'est pas vraiment. Ah, quel plaisir! Stand-off, rien que tu vois la map, t'entends la musique, la petite intro, c'est comme. Oh yes! Mais non! Oh, je commence à le sentir là! J'étais dans le spawn, je commence à le sentir, je me dis. Petite collade qui s'aligne, quad feed! Oh là là, il y avait le troisième, il y avait le quatrième, je suis sûr! Il y avait le cinquième et le sixième dans le spawn! Bordel, single collat, et le quatrième, je le prends pas tout de suite. Oh merde! La petite collat et le single qui arrive, j'attends les alignements, j'essaie de me concentrer pour faire ça bien. Et ben voilà les amis, c'est tout pour ce petit retour sur Black Ops 2. Ne vous inquiétez pas, il y aura d'autres anciens Call of Duty, ça va arriver, petite semaine old school. Que ça va faire du bien, ce petit rétrospective sur tous les anciens Call of Duty, ces petits moments du passé, moments nostalgie.
J'ai hâte de commencer ça. Je sais pas si ce sera un épisode par jour, enfin une vidéo, un Call of Duty par jour ou quoi, mais on va essayer de faire ça assez rapidement parce qu'il y a quand même pas mal de Call of Duty. En tout cas voilà, c'est tout les amis pour cette petite vidéo. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez passé mon moment. Vous savez bien que c'est tout le but, bien évidemment. N'hésitez pas à donner votre avis par rapport à tout ça en dessous de la vidéo par commentaire. Et un maximum de pouces bleus, de likes, c'est la récompense. Excellente journée à vous tous, que du bonheur, que bonne chose. Et je vous dis à la fois prochaine. Allez, ciao, bye bye.